Quitter la ville tant qu'il est encore temps. Tel est le choix de nombreux habitants de la ville de Donetsk, l'une des dernières places fortes tenues par les rebelles séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Selon l'un des responsables de ces derniers, 70 000 des 900 000 habitants seraient déjà partis. Avec l'avancée de l'armée ukrainienne depuis la prise de Slaviansk la semaine dernière, les insurgés se sont en partie repliés à Donetsk. La ville est sur le point d'être encerclée. Ensuite, difficile à dire quel sera le scénario. Le président ukrainien, Petro Poroshenko, a exclu une attaque frontale afin d'éviter des pertes civiles. Mais en face, les rebelles ont promis de défendre bec et ongle leur position. Les combats dans la région se sont d'ailleurs poursuivis ces derniers jours, notamment à l'aéroport de Donetsk. Sporadiques, ces affrontements n'en sont pas moins meurtriers puisque l'armée ukrainienne a perdu 30 hommes lors des dernières 48 heures.